Bienvenue à tous et à toutes, à ceux-là qui sont branchés sur Internet, on leur dit bienvenue à cette nouvelle édition de téléimage, ceux-là qui sont dans la zone métropolitaine de New York certainement, qui nous regardent sur les réseaux câblés de CableVision, de Verizon, fire TV, nos amis téléspectateurs, on les salue eux aussi et leur dit bienvenue à cette édition, cette nouvelle édition de téléimage. Je suis Saint-Louis. Aujourd'hui, avant de commencer cette émission, je veux saluer l'institution du Sacré-Cœur. Il faut parler plutôt des, des anciens de l'institution du Sacré-Cœur, des alumni de l'institution du Sacré-Cœur, qui est une organisation non gouvernementale. Reconnu par l'État de New York, ici aux États-Unis, et qui justement a organisé quelques semaines de ça, deux semaines de ça, il faut dire, un branch fundraising à l'intention de la reconstruction de cette école, le Sacré-Cœur de Turgeon. On se rappelle, ceux-là qui peut-être ont été à ces écoles, le Sacré-Cœur de Turgeon. Donc, mesdames, Sacré-Cœur, aujourd'hui, ah, c'est pour nous, on a salué toutes eh bien, téléspectatrices à qui, à travers le monde, même tout, qui est dans l'école, nous voulons saluer et nous voulons saluer belle initiative, ça, que les anciens de l'institution du Sacré-Cœur, les alumni, la et bien, il a été organisé une branch fundraising où Jean Piovine en aide à reconstruction de l'école. Ça, reconstruction qui a coûté l'école là, qui a coûté du moins plus de 5 millions de dollars. Tenez-vous bien, la reconstruction de cette, des édifices et même de la chapelle de l'école de l'église du Sacré-Cœur qui était détruite par le tremblement de terre, dans son songez, qui était passé le 12 janvier 2010. Alors, salutations donc spéciales, on regarde certaines photos que nous avons réalisées pendant branch. Euh fundraising sage j'avais le plaisir et l'honneur d'être le maître de cérémonie de ce brunch fundraising c'est avec plaisir que j'ai présenté les séquences de cette de cette journée une journée agréable il faut aussi parler de l'institution du Sacré-Cœur qui a été fondée en 1903 donc qui quand même euh, d'utilité publique qui reste une institution prestigieuse donc, il faut le dire et fondée par la congrégation euh, des filles de la sagesse l'institution du Sacré-Cœur qui aujourd'hui fait appel aux anciennes élèves de l'institution pour l'aider à reconstruire eh, l'édifice et puis la chapelle de l'école finalement pour nous remettre l'école sous pied. Je veux aussi mentionner que les noué des institutions de sacré cœur nous aider plusieurs autres l'école qui au même tout dépendent de congrégation ça. Donc c'est comme ça que j'en ai je aujourd'hui à m'apporter ben, euh, bon moyen hein, pour nous aider l'école là je rappelle est une école qui finalement bezwen 5 milyon dola pou yo rekonstruil. Don nan kad rekonstruksyon sa, les ansyen de l'institutio de Sakriker, nan ap gade 2-3 foto komite 1, ki te organize branch fundraising sa, nan ap saluye yo d'ayor, men ki jenon kapab ede nou menm tou a rekonstruksyon l'ekol Sakriker sa, nan ap be kontakte yo, nan ap be yo box 650592, Fresh Meadow, New York, 11365, ou bien ekri yo, drop them a line, this is their, their email address right here on the screen, alumniensakriker at gmail.com. Again, uh, let me remind you, this is a non-profit organized that is working toward rebuilding reconstruct, the reconstruction of the school that was destroyed in the earthquake that happened in Haïti, in Port-au-Prince, Haiti, on January 12, 2010. Donc, reconstruction de cette école que n'a pas invité nous supporter, participer à la donne, mesdames élèves sacrés, et puis l'autre monde qui peut-être, eh bien, on avait remarqué à ce branch euh, fundraising, les maris, les amis, enfin, les compagnons de cette de ces dame qui, finalement, ont participé à ce branch fundraising, qui ont même été l'école sacrée, qui ont, ils ont, ils ont même été génération du euh, messe 1977 yo. Je eu plaisir sous vidéo. fait connaissance avec deux toi, de toi, anciennes du Sacré Cœur, génération 1969, mon Dieu. Enfin, bravo, bravo encore une fois à cette organisation, à cette association des anciennes de l'institution du Sacré Cœur. À ce brunch fundraising, il faut dire aussi que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'artiste Michel Voltaire Marcelin, que je salue d'ailleurs. Salutations toutes chaudes à cette dame, une grande dame de la poésie. Et Nabia Nobel, -Nab photo vais faire avec J'ai eu l'occasion aussi d'acheter les livres de Michel. Michel Voltaire Marslin, la, la Désenchantée, par exemple, que je vous présente. Donc, Livre Saïo, c'est des, des bouquins qu'on avait en vente à ce jour-là. Et je pense que ça a été une, une performance extraordinaire de Madame Michel Voltaire Marslin. J'ai eu plaisir à la rencontrer et ça te fait un plaisir, ouais, que quand même. Et... The, the spoken word is well said, well spoken by Michel uh, Voltaire Marcelin. On regarde une photo que j'ai réalisée avec elle. Voilà. Voilà donc pour commencer cette édition aujourd'hui, une émission intéressante. Encore une fois, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler certainement d'Haïti. Encore une fois, notre bulletin d'information est au rendez-vous. On parlera aussi de ces 300 000 sacs de riz qui finalement dans dans Nawa au printemps, qui vinit pour soulager et eh ben Gangou, la vie chère qui vient hier. Ne le pays. Je nous pas le reportage sous question avec premier ministre qui va l'expliquer qui vient qui comment 300 000 sacs de riz ça va aider situation pays. Et puis certainement, on parlera aussi de la parfumerie de Barbara qui s'est pigou ce émission sur Ça, on va aussi vous détendre avec les clips vidéo. Mesdames et messieurs, un peu de tour aujourd'hui. C'est un magazine que nous vous présentons avec plaisir. Je vous invite d'ores et déjà à vous mettre confortable devant le récepteur télé ou Internet pour suivre jusqu'à la dernière seconde de ce magazine. Et moi, ce sera avec plaisir que je vais vous le présenter jusqu'à sa fin. Je suis Valérie saint louis Restez branchés